Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes particulièrement gâtés par la météo ce soir. Les conditions sont absolument idéales pour les deux équipes. Un commentaire de ce match, toujours prêt, Hervé Matou. Je suis sûr que vous allez être bon. C'est de la Ligue 2 hein, qui est au menu aujourd'hui. Lens-Nancy-Lorraine contre le FC Sochaux. Je suis fidèle au poste, comme toujours, pour que le match soit bon. Et voici maintenant la composition de l'AS Nancy-Lorraine. 4-4-2, classique aujourd'hui, une défense à 4, un double pivot au milieu de terrain. Et voici la composition de l'équipe visiteuse. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Centre long au second poteau. Ouais, c'est bien pris par le gardien. Et le gardien qui est sur ce ballon. Laurentin Pogba. Lopi. Aldo Kalulu. Excellente intervention défensive. Ah non, le ballon est perdu. Aldo Kalulu. On entre dans la zone dangereuse. Il faut trouver l'ouverture. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Ouais, le ballon est perdu. C'est contré. Voilà, coup de sifflet de l'arbitre pour cette faute. Ah, c'est bien donné ce ballon. Ah, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Ouais, lumineuse cette passe. Laurentin Pogba.
Aldo Kalulu. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. Aldo Kalulu. Ouais, bien joué par-dessus. Intervention rugueuse, il a repris le ballon. Ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Ouais, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. On va peut-être assister à une contre-attaque. Un joueur qui tarde un petit peu à revenir. Un centre à destination de ses partenaires. Oh, mauvaise relance. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Oh, il peut centrer. Ah, il aurait dû retarder son appel. Heureusement qu'il était là. Allez, l'occasion peut-être de mener. Allez, la bonne passe. Ouais, superbe l'arrêt. Magnifique à bout portant. Premier corner depuis longtemps, hein. Et le public qui a compris que c'était une bonne occasion pour peut-être prendre l'avantage. Ouais, bien tiré ce corner. Corner qui ne va rien donner. On cherche une solution. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Ah, elle n'était pas facile, cette passe en profondeur. Oh, il est passé. Aldo Kalulu. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Oh, le but! Le but visiteur qui vient plomber l'ambiance ici, qui vient éteindre le stade. Ça commence mal pour l'équipe locale. Il n'y a pas eu de contrôle, hein. Vraiment, c'est parti d'un coup. Beaucoup de spontanéité dans ce geste. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Lopi. Oh, ça peut être dangereux.
Mais non, un manque de précision sur cette frappe. Deux minutes, ce sera le temps additionnel. Ouais, très bon tacle. Oh, le vilain tacle. Oh, l'arbitre va sévir à mon avis. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Un peu de repos pour tout le monde, c'est la mi-temps. Mais pour l'instant, ils sont menés au score. Les défenseurs font ce qu'ils peuvent hein, dans cette équipe. Ils essaiera de au moins égaliser en seconde période, mais pas évident parce que ça ronronne quand même devant. Et c'est parti pour la seconde période. La passe est mal assurée. C'est une interception. Lopi. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Cherche la faille dans la défense adverse. Voilà, c'est dur de rater une occasion comme ça. C'était le but du chaos. L'arbitre qui siffle pour finalement revenir à la faute. Il faut trouver une option disponible. Oh, le bon ballon! Et le gardien, c'est pas fini! Pas une contre-attaque avec ce ballon. Il faut venir défendre là. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Oh, le gardien sur la trajectoire. Ouais, vilaine passe directement à l'adversaire. Attention, ça peut être dangereux. Hors-jeu. Allez, pas se précipiter comme ça. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Le bon coup d'œil.
sont tournés en attendant une ouverture. Et le but ! Et le but ! Ils confortent leur avance ! Un tir à millimétré qui passe juste sous la barre. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Le ballon dévié en touche. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et le gardien qui est sur ce ballon. En termes de possession, c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage. Et si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Oh, il a vu son partenaire bien jouer. Oh, magnifique la parade! Superbe plongeon! C'était loin d'être évident. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Value 6. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah, il a commis la faute là pour couper cette attaque. Et on voit qu'il commet bien une faute hein, sur ce tacle. Puissance, mais il n'y avait que de la puissance au niveau précision. On était vraiment très très loin. Vingt minutes à jouer dans le temps réglementaire. La bonne échange, la bonne série de passes de la part des Nancéens qui espèrent toujours revenir dans ce match. Et ce ballon qui est récupéré. Contre-attaque peut-être. La défense qui n'est pas très en place, hein, me semble-t-il. Et le ballon qui est revenu à l'équipe adverse. La contre-attaque est terminée. Ah, elle progresse bien là. Oui, le centre peut-être. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Hors-jeu, indique l'arbitre assistant. L'attaque est propre, le ballon toujours en jeu.
Lopi. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est vraiment étrange. On a le sentiment qu'il y avait une grosse occasion et c'est récupéré sans souci. C'est venu en profondeur. Non, non, ça n'ira pas plus loin. Bonne intervention. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Allez, par-dessus, pas mal. Mamadou Thiam. Ouais, signalé hors-jeu. Ah, ça doit se jouer à pas grand-chose. On va assister non pas à un, mais à deux changements, un par équipe. Toujours ces deux buts d'écart. Il y aura des regrets peut-être, mais tout ça me semble relativement logique. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Oh, c'est peut-être pas terminé! C'est peut-être pas terminé, plus qu'un but d'avance. Oh, ça va être chaud. On voit toute la séquence. Le centre parfaitement donné. Il s'est repris de la tête tranquillement. Les défenseurs qui sont quand même passifs sur cette action. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Et 5 minutes de temps additionnel à jouer en plus. Lopi. Faute, mais l'arbitre préfère laisser l'avantage. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. La tentative lointaine, la puissance y était, mais pas la précision. Ça y est, c'est fini. Cette affiche est terminée. Pour les supporters, c'est le match à ne pas perdre. Eh bien, il est perdu et à domicile en plus. L'équipe qui s'incline de peu. Il y a certainement des choses positives à retirer de ce match, mais il faudra également voir ce qui n'a pas fonctionné.